Here we go. Nous allons à Londres. C'est parti. Liverpool Street. Je fais la même que l'année dernière. On va ouvrir, déjà, je vais ouvrir un truc. Oui, c'est un chocolat. T'as un chocolat? Oui. Bon, j'attends que le stade ouvre et je suis sous la pluie. Magnifique. Le stade de Chelsea, je n'ai pas précisé. Voilà, je suis enfin arrivée. Je suis tout en haut du stade et je vais vous montrer ce que ça donne. Et ce qui devait arriver, arriva. La rencontre avec James Arthur. Oh my god! Hello! Alors aujourd'hui c'est parti pour une journée à Londres. Oui, c'est fini le match. C'était hier et c'était super, j'ai adoré. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Alors je suis dans un hôtel. Je pensais qu'il était un peu pourri, mais ça va. Je vais vous faire un petit room tour. Alors voilà, c'est une chambre basique, mais franchement tout est nickel, avec un petit coin bureau et la douche et le coin toilette douche. Parce qu'en fait, cet hôtel, il n'y a pas de douche ni de toilette dans chaque chambre, donc c'est quand même mieux d'en avoir une. Et là, j'ai pas payé cher, je sais plus trop ce que j'ai payé, je vous dirai après. Mais pour deux nuits, c'était vraiment pas cher. Avec le petit-déj en plus. Alors voilà, pour deux nuits, j'ai payé 167 euros. Donc ça va pour Londres. On n'est pas loin. Enfin, on n'est pas loin du centre. On est à Paddington. Donc j'ai une station de métro pas loin. Et donc voilà, c'est avec le petit-déj. Franchement, ça va. Très bien. First time in a taxi. Oh, je t'ai pris. Prise, pardon. Coucou. Coucou. En plus, il y a le toit ouvrant, c'est cool. Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure.
l'empire du bonbon. Alors là, je suis à Chinatown. C'est un petit Chinatown par rapport à New York, mais c'est déjà pas mal. Joy, vas-y. Non, mais pas comme ça. Tu me filmes. Ok? S'est arrêté à un prêt à manger. J'ai pris une focaccia tomate mozza. Une petite boisson. Bon app. Bon, il faut savoir qu'il faut faire une file pour aller au magasin M&M's, ainsi qu'au magasin Lego. Bien sûr, un peu partout, quoi. Voilà. Maman, il faut aller tout en bas. Regarde, monte là en bas. Alors ici, il existe un moyen de faire ses nounours soi-même. C'est dans un magasin de jouets. Alors là, on prend le nounours qui n'est pas rempli. Un petit vêtement. Et une petite senteur. Et après, on passe à la machine. Voilà ce que ça donne. Chez E-L et N. E-L et N, ça se prononce comme ça? Ouais, je crois. Un petit brownie, un petit pink brownie. Maman, pink un, là, alors ça un va matcha pas pink. Out this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tied on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same? Oh, il est trop beau. Ce soir, on mange des nouilles.
des wasabi et des edamame et des sushis là-bas. Oui. Avec des gyoza végétaux. Voilà, mon petit séjour est terminé. Je vais vous montrer mes petits achats. Bon, moi je suis une visiteuse, hein, comme on dit, et j'achète des trucs un peu gadgets. C'est pas grave, c'est des petits souvenirs. Voilà. Alors, une petite cuillère Paddington, une tirelire téléphone avec le Paddington. Enfin, ouais, je sais pas, c'est sûrement Paddington représenté. Là, des chaussettes de la boutique M&M's, un porte-clés et un tote bag de Londres. Voilà. Au fait, ce matin, j'ai oublié de vous préciser le nom de l'hôtel. C'est le Olympic House Hotel, tout près de la gare de Paddington. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye. C'est Blackfriars, c'est là où James est habité.